Enchanté, c'est Arman. Aujourd'hui, je vous propose un tuto sur le montage de l'imprimante 3D Creality Ender 3 et je vous souhaite la bienvenue sur. Alors, cette vidéo, ça fait un moment qu'elle est tournée, puisque forcément, j'ai réalisé ces plans quand j'ai fait la vidéo pour l'unboxing. J'avais fait le montage, je l'avais mis en accéléré et puis je m'étais dit je ferai le montage du coup du tuto quand j'aurai le temps, sauf que voilà, j'avais pas forcément le temps. Là, je l'ai trouvé le temps, et puis après plusieurs mois d'attente, et ben le voici enfin, le tuto du montage de cette imprimante 3D, dont je suis d'ailleurs super content. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec les images, c'est parti. Donc pour commencer, c'est très simple. On va s'attaquer aux deux profilés verticaux, R et L, donc right and left pour gauche et droite, dans lequel est rangée la petite tige filetée qui sert à venir faire monter et descendre la tête d'impression. Et nous allons pouvoir venir les fixer, du coup avec de la visserie M5x45 ainsi que 4 rondelles. Alors pour différencier les deux profilés, c'est très simple. Celui de droite a deux perçages sur l'un de ses côtés, tandis que le profilé qui devrait être à gauche a deux perçages à une de ses extrémités. Donc ici, nous allons commencer avec le profilé de droite en positionnant les deux petits perçages à l'intérieur de l'imprimante. Et là, je viens donc visser l'ensemble avec les vis M5x45 sans oublier les deux petites rondelles sous tête. Et donc ensuite la même chose avec le profilé de gauche en positionnant les deux perçages en bas. Alors, comme vous le voyez, elle n'est pas du tout droite. Donc je ne sais pas si c'est normal, enfin j'imagine que c'est pas normal du tout. Mais je ne sais pas si c'est normal qu'il faille que je la règle au niveau de la planéité. Je pense que si, et d'ailleurs je vais faire ça tout de suite. Comme ça après je vais pouvoir commencer à verrouiller déjà ces positions-là. Peut-être qu'en dévissant là, je vais pouvoir la régler bien à plat. En tout cas, les Chinois, ils serrent ça bien fort. Ils n'ont pas peur de péter les filetages. Là. Ah. Là, tout de suite, juste en desserrant, l'imprimante n'est plus du tout bancale. Donc, elle a pris sa position toute seule. Maintenant, je vais resserrer et je vais voir si elle est maintenue dans cette position. Ça serait bien pratique. Et ben c'est parfait. Ensuite, nous allons positionner le petit moniteur LCD en utilisant des vis M5-8 que l'on va venir positionner juste ici et que l'on va venir visser à l'intérieur du profilé. Et on va pouvoir ensuite positionner le bloc d'alimentation avec de la visserie M4-20. Alors faites bien attention quand vous allez lancer l'imprimante 3D, vous pouvez sélectionner le voltage de votre imprimante, donc soit du 115, soit du 230. Donc prenez bien le bon voltage. Chez nous en France, c'est du 230. Ne vous trompez pas, vous pouvez même le régler dès que vous la montez, ça sera bien mieux parce que si jamais elle n'est pas sur la bonne valeur et que vous lancez l'imprimante, votre alimentation va complètement griller. Ça serait embêtant. Ensuite, nous allons pouvoir positionner cet élément qui est un limiteur de mouvement dans l'axe des Z. Il est nommé ZI et vient se positionner sur le profilé de gauche de cette manière. Et la partie basse de cet élément doit être positionnée à environ 32 mm de la partie basse du châssis. C'est ensuite au tour du moteur ZM d'être monté à l'arrière gauche de l'imprimante à l'aide de vis tête fraisée M4 par 18. On peut ensuite insérer la tige filetée dans le cylindre situé au-dessus du moteur, mais sans serrer la vis de maintien pour le moment, cela permettra de laisser ses mouvements libres pour l'étape suivante. Ensuite, nous allons réaliser un petit montage en dehors de l'imprimante 3D. On va préparer le profilé supérieur sur lequel est fixée la buse, en venant positionner la platine sur laquelle se trouve le moteur qui permet l'extrusion du filament ainsi que le déplacement de la tête d'impression dans l'axe des X.
Alors il nous reste actuellement deux profilés, il va falloir que l'on prenne celui dans lequel il y a le plus de petits trous. Et donc là on va venir monter le module comme ceci. Donc vous voyez que la vis dépasse ici, donc il y a un lamage qui a été fait à l'intérieur de la pièce pour qu'elle vienne rentrer à l'intérieur, et donc on va faire le montage comme ça. En utilisant deux vis M4 par 16 accompagnées de deux rondelles. Donc vous pouvez mettre la vis un peu à l'avance, positionner le profilé, essayez de tenir l'ensemble comme vous pouvez, et ensuite votre clé, vous venez la glisser par ici. Pour atteindre la vis et venir la serrer. Et bien entendu, la même chose l'autre côté. Il faut ensuite faire glisser le chariot sur lequel l'extrudeur est monté de cette manière et venir fixer cette petite platine comprenant trois petites roulettes à l'aide de vis M416 et de deux rondelles à l'extrémité de ce même profilé. Il va falloir ensuite installer le tendeur de courroie, mais sans le serrer, de manière à pouvoir installer cette courroie justement librement. Ici, je vous montre la fin de l'opération pour que vous puissiez voir ce que ça donne en vrai. Donc là, je viens clipser du coup la courroie dans les encoches. Et ensuite, après, on pourra venir régler la tension de la courroie de cette manière. Alors là, maintenant, on va passer à l'étape 9 qui consiste... Parce qu'en fait, ça servait à rien de le garder, à virer ça. En même temps, je me disais bien que je ne savais pas trop à quoi ça allait nous servir. Donc on vire ça et on va venir positionner tout notre petit montage juste ici. Et on va venir du coup encastrer la tige filetée juste ici. Donc les roulettes comme ceci. Voilà. On tourne la tige filetée de manière à ce qu'elle vienne se visser dans la partie juste ici. Hop. Et pour finir, on verrouille la liaison entre la tige filetée et son moteur en serrant cette petite vis. Alors du coup, je sais pourquoi elle était enveloppée à l'intérieur de ce petit tube, c'est qu'elle est un peu grasse. Il y a de la graisse dessus et donc voilà, pour protéger, ne pas s'en foutre plein les doigts. Ils avaient mis ça à l'intérieur. C'est vraiment super, franchement. C'est pas cher. C'est très bien conçu. Enfin, du moins, ça a l'air. C'est très bien emballé. Tout est bien protégé. Tout est très bien pensé. Je suis vraiment agréablement surpris. Ils pensent même jusqu'au petit détail de ne pas mettre de la graisse partout. Alors que très clairement, ils l'auraient enveloppé dans un pauvre petit papier. Voilà, ça aurait pu faire l'affaire. Hein. Ça aurait été beaucoup moins bien, mais... Voilà, il pense vraiment à tout et c'est vraiment à noter. Je suis vraiment très agréablement surpris. Donc ensuite, prochaine étape, on va venir positionner le profilé du dessus et le visser avec 4 vis M5 25. Vis et rondelles, bien entendu. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper de sens, comme vous le voyez. Il y a des lamages pour venir positionner la vis à l'intérieur. On a ensuite deux petits caches en plastique à positionner, de part et d'autre du profilé. Et pour vous montrer à quel point ils apportent beaucoup de détails à leur imprimante, c'est qu'il y a la marque carrément d'inscrit sur les petits morceaux de plastique. Ici, on voit Creality 3D. Voilà. On peut ensuite venir faire le montage donc du support de bobine en insérant ce petit tube dans cette petite platine. Petit tube qui est fileté aux extrémités pour permettre du coup le serrage de deux petits écrous en plastique, ce qu'on vient de déballer. Et ensuite on peut monter l'ensemble sur le profilé supérieur de cette manière avec des vis M5 par 8. Et ensuite la 12e et dernière étape, eh bien, c'est le branchement de tous les petits dispositifs, les moteurs, la carte mère, etc. L'alimentation, et donc on va procéder à ça tout de suite. Donc tous les câbles depuis le début sont cachés sous le plateau chauffant. Ils sont reliés directement à la carte mère qui se trouve ici. Donc on va pouvoir les sortir et les brancher. Donc ici on a le câble pour l'alimentation qu'on va relier directement à l'alimentation. En le faisant passer par en dessous, je pense que ça sera l'idéal.
ici on a une nappe avec trois connecteurs. Donc ce qui est super bien encore une fois, c'est que tous les connecteurs sont identifiés. Donc le connecteur marqué E vient se brancher ici. Et ensuite les deux connecteurs marqués X, le plus large vient se brancher en dessous. Vous ne pouvez pas vous tromper dans le sens puisqu'il y a des détrompeurs. Et le plus petit vient se brancher à l'intérieur. Donc pour le Z, le plus grand devant. Et le plus petit vient se brancher sur la petite butée électronique par le dessous. Voilà. Avant de retourner l'imprimante et de connecter l'écran LCD, on va venir connecter ce petit tuyau dans lequel va passer le filament. Et donc, pour que le filament aille dedans, on va venir le brancher juste là. Donc c'est les systèmes de blocage automatique, hein. Il suffit juste de le pousser à l'intérieur. Et une fois poussé à l'intérieur, vous ne pouvez plus le tirer. Pour pouvoir l'enlever, il faut que vous veniez presser ici la petite collerette. Et ensuite, vous pouvez enlever le câble. Et si vous ne venez pas appuyer sur la petite collerette, vous ne pourrez pas l'enlever. Donc c'est bien solidement maintenu. Et maintenant, la dernière connexion. Hop, ça va être le petit écran LCD que l'on va venir brancher sur la prise EXP3 qui se situe le plus à l'intérieur de l'imprimante 3D. Et donc voilà. Le tuto du montage de cette magnifique imprimante 3D dont je suis extrêmement content et bien est terminé. Je vais pouvoir vous sortir des vidéos sur son utilisation, sur ses paramétrages, les différentes améliorations que moi personnellement j'ai pu y apporter. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Mais n'oubliez pas que le plus important dans la vie, c'est que vos seules limites, ce sont vos idées. Et moi je vous dis à bientôt.